الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc إن شاء الله تبارك وتعالى Aujourd'hui nous commençons un autre livre. Nous commençons un autre livre appelé Al-Wajiz fi fiqhi al-sunnati wal-kitab al-aziz. Donc la semaine dernière on avait commencé un livre Al-Mawsu'atul fiqhi al-muyassara, mais j'ai trouvé ce livre Al-Wajiz, celui qu'on va commencer réellement, plus simple et plus facile à comprendre. Il rentre moins dans les détails et sur chaque chose qu'il apporte, il la suit d'un hadith ou d'un verset, d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'un verset du Coran. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait laquelle ? La plus facile. Donc j'ai décidé de ne pas continuer le premier livre qu'on avait fait, le Mawsu' al-Fiqhi al-Muyassara. Non pas parce que c'est un livre qui n'est pas bien, au contraire, c'est un livre qui est bien, alhamdoulilah. Mais il rentre un peu trop dans les détails et c'est un niveau qui est un peu supérieur au nôtre. Et donc on doit se contenter et se contenter de notre niveau et d'apprendre selon nos capacités. Donc Inch'Allah, vous allez voir la différence entre la semaine dernière et aujourd'hui. Je vous laisse la découvrir par vous-même. Donc ce livre est un livre appelé Al-Wajiz fi fiqh al-sunnati wal-kitab al-aziz. Son auteur est Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc c'est un livre qui est connu des savants pour sa simplicité et aussi pour le fait qu'il apporte les preuves de tout ce qu'il amène. Et il cite la plupart des hadiths, il cite l'authenticité du hadith, de même que ceux qui l'ont rapporté. Et il puise beaucoup des livres de Cheikh l'Albani, rahimahullah. Tous les hadiths qu'il a cités, quasiment, il y a les références des livres de Cheikh l'Albani, rahimahullah. Nabda bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, qala al-mu'allif Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi, al-taharatu lughatan al-nazafatu wal-nazahatu min al-ahdath, wa istilahan raf'u al-hadathi wa izalatu al-najasah. Donc, nous commençons le livre de la purification. On en avait parlé un peu la semaine dernière, quand on avait commencé l'autre livre, que les savants, rahimahumullah, ont commencé dans leur livre, les savants du fiqh, commencent toujours par tahara, la purification. Pourquoi ? Parce que c'est une des conditions pour que la prière soit acceptée. Une prière n'est pas acceptée sans purification, d'où son importance. Et c'est ainsi, c'est pour cela que les savants du fiqh, notamment lorsqu'ils expliquent le fiqh, la jurisprudence, ils commencent par le livre de la purification. Et dans ce livre de la purification, il y a plusieurs chapitres. Donc la purification lughatan, au niveau de la langue arabe, c'est-à-dire la propreté et la purification des choses malsaines. Et au niveau de la religion, c'est le fait d'enlever un état d'impureté, qu'il soit petit ou grand. Comment est-ce qu'on enlève un petit état d'impureté ?
de l'ourdeau, et le grand est un impureté, comment on l'enlève? Al-Ghusl. Et également, dans la religion, At-Tahara, ça veut dire aussi nettoyer une saleté, une chose qui n'est pas propre. Donc ça, c'est le premier livre de la purification. Ensuite, le cheikh commence les chapitres. Le premier chapitre, Babul Miyah. Donc là, ce sera un petit rappel de ce qu'on a dit la semaine dernière. Babul Miyah, le chapitre des eaux. Babul Miyah, kullu ma in nazala min as-sama' aw kharaja min al-ard fa huwa tahur. Toute eau qui descend des cieux ou qui sort de la terre est pure. C'est une règle. لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons fait descendre des cieux une eau pure. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Et la preuve aussi est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il parle de la mer ou de l'océan. Il dit, son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. Hadith rapporté dans Sahih ibn Majah de Sheikh al-Albani, rahimahullah. C'est un hadith authentique. Wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi al-bi'r inna al-ma'a tahur la yunajjisuhu shay. De même, une autre preuve que l'eau est pure est le hadith du puits de Bouda'a qu'on avait vu la semaine dernière et que le cheikh va reciter ici, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, l'eau est pure, rien ne la rend impure ou rien ne la salit. L'eau est pure, rien ne la salit. C'est un hadith authentique également, authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, rapporté dans l'Irwa, apporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i entre autres. وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه. Et cette eau, elle reste pure, même si elle a été mélangée avec une substance pure, tant que ça reste de l'eau. Donc l'eau, elle reste pure, même si elle a été mélangée à une substance, à un liquide ou une chose pure, tant que ça reste de l'eau. لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. La preuve qu'une eau, même quand elle est mélangée à une chose pure, à une substance pure, qu'elle reste pure, la preuve est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aux femmes qui lavaient sa fille, une de ses filles qui est décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes qui la lavaient, lavez-la 3 fois, ou bien 5 fois, ou plus, si vous en voyez la nécessité, ou si vous en éprouvez le besoin, avec de l'eau et du cidre. On avait vu que le cidre c'était le lotus. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا. Et dans le dernier lavage, mélanger l'eau à du kafour. On avait vu que c'était un mélange de parfums. Et en français, je crois que ça s'appelle le camphor. Le camphor, c'est connu? Le camphre. Non, le camphre, Hassan. Le camphre connu en français. Et donc, on déduit de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses femmes de mélanger l'eau à du camphre et à des feuilles de lotus, autrement dit des choses pures. Et le fait de mélanger l'eau avec une chose pure la rend pure. Quelle est la preuve qu'elle est pure? Parce que les femmes qui ont lavé la fille du prophète ont utilisé cette eau pour laver sa fille, donc cette eau est bien pure. Même si la couleur elle change, même si la couleur elle change, même si la couleur elle change, même si l'odeur elle change, même si le goût change, tant que ça reste de l'eau. Tant que ça reste de l'eau. وَلَا يَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةِ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ بِهَا. Et on ne juge une eau
on juge qu'elle est impure uniquement lorsqu'elle a été introduite par une chose impure et que cette eau a été modifiée. Modifiée, c'est-à-dire que sa couleur a été modifiée, ou bien son goût a été modifié, ou bien son odeur. Si l'eau est modifiée par une chose impure, si son odeur est modifiée par une chose impure, si son goût est modifié par une chose impure, ou si sa couleur est modifiée par une chose impure, cette eau devient automatiquement impure. Et on avait cité la semaine dernière qu'il y avait l'unanimité des savants sur cela. Les savants sont unanimes sur le fait que l'eau, lorsqu'elle est modifiée par une chose impure, elle devient impure. Les hadiths d'Abi Saïd, قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. Et la preuve est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه qui dit, il a été dit au prophète صلى الله عليه وسلم, pouvons-nous faire nos ablutions en utilisant l'eau du puits de Bouda'ah? C'était un puits dans lequel étaient jetées des serviettes que les femmes utilisent pour nettoyer le sang des menstrues, de même qu'étaient jetés des cadavres de chiens et autres impuretés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, l'eau est pure, rien ne la salit. Donc il y a plusieurs choses sur ce hadith qu'on avait vu la semaine dernière, mais qu'on répète aujourd'hui. La première chose, c'est l'explication que les savants ont donnée sur le fait que ces impuretés soient arrivées dans ce puits de Boudra'a. On avait vu que les savants avaient expliqué qu'en aucun cas, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ne jetaient ces impuretés dans l'eau, dans ce puits. Car ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Et il est impensable et inconcevable qu'ils jettent des impuretés dans un puits que les gens utilisent, dont les gens utilisent son eau. Et les savants ont expliqué que ces impuretés sont arrivées par l'intermédiaire de torrents ou de fortes pluies qui ont amené toutes ces impuretés dans ce puits, qui ont atterri dans ce puits, qui ont fini leur route ou leur chemin dans ce puits. Et en aucun cas, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui y jetaient ces saletés. Et on pouvait comprendre de cela lorsque Abu Sa'id al-Khudri dit c'était un puits dans lequel était jeté. Dans lequel était jeté, il ne voulait pas dire par là que les gens le jetaient directement. Il voulait dire par là dans lequel finissaient leur chemin ces impuretés. Donc première chose à éclaircir. Et la deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit l'eau est pure, rien ne la salit. C'est-à-dire l'eau, on avait vu la semaine dernière que Bir Boudah était un puits d'une grande contenance. Il contenait beaucoup d'eau. Et malgré ces impuretés qui étaient dedans, elle n'avait aucune influence sur cette eau, car elle était en grande quantité. Ni sa couleur n'a changé, ni son odeur, et ni son goût. Les savants ont déduit donc qu'une eau, lorsqu'elle est en grande quantité, et que des impuretés y sont contenues, mais que cette eau ne change pas, l'eau reste pure. La preuve, le prophète a répondu aux compagnons que cette eau est pure, et leur a autorisé de faire les ablutions avec. Et ce hadith est connu chez les savants sous le nom de Hadith au Bi'ri Boudra'a. Donc ça, c'était le premier chapitre des eaux. Vous voyez la différence avec la semaine dernière. Là, il y a beaucoup moins de détails, c'est beaucoup plus simple à comprendre, et on en retient l'essentiel. الباب الثاني باب النجاسات. النجاسات جمع نجاسة وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. Donc le deuxième chapitre est le chapitre des impuretés. Donc nous sommes dans le livre de la purification, dans le deuxième chapitre qui est le chapitre des impuretés.
Et Cheikh donne l'explication ou la définition de l'impureté. Les impuretés, ce sont toutes choses que répugnent les gens de bonne nature. Toutes choses que les gens répugnent et dont les gens se protègent. Et également toutes choses qu'ils lavent lorsqu'elle atteint leurs vêtements, comme les excréments et l'urine. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. Et la base dans toute chose est l'autorisation et la pureté. Ça, c'est une règle que l'on doit bien comprendre et bien saisir. La base dans toute chose est l'autorisation. Mais les savants ont expliqué en disant toute chose autre que adoration. Toute chose autre qu'adoration, la base est l'autorisation. Et concernant les adorations, la base, c'est que toute adoration est interdite jusqu'à la preuve du contraire. On n'a pas le droit de faire une adoration quelconque sans que l'on ait un dalil, sans qu'on ait une preuve, soit dans le Coran, soit dans la Sunna, ou soit dans les actes de nos pieux prédécesseurs. Une personne qui considère par exemple, ou qui prie par exemple après chaque prière, 10 rak'at et qui considère cela comme une adoration, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tu n'as pas le droit, car la base dans toute adoration est l'abstention, et l'abstention jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que tu aies la preuve que cet acte-là fait bien partie de l'islam et bien une adoration légiférée. D'accord. Donc ça, c'est concernant les adorations. Concernant autre que les adorations, toute chose est autorisée jusqu'à la preuve du contraire. Par exemple, une personne qui ne sait pas que l'alcool est autorisé, que l'alcool à la fois est interdit. Deux personnes qui font un dialogue, qui font un débat sur l'alcool, est-il interdit ou non ? Mais aucun d'eux n'a la preuve, n'a jamais entendu que l'islam interdisait l'alcool. L'un dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit. Lequel des deux a raison? Dans ce contexte-là, dans le contexte qu'aucun d'eux ne sait. Celui qui dit que c'est autorisé. Pourquoi? Parce que la base dans toute chose, c'est l'autorisation. Mais dès que la preuve lui parvient, dès qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation de l'alcool, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le buvait, etc., et les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans la sunna, il devient obligatoire à celui qui pensait que c'était autorisé de considérer comme interdit. Mais dans ce débat bien précis où ces deux personnes, aucune d'entre elles n'avait la preuve, on dit lequel avait raison? Celui qui a dit que c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la base que toute chose est autorisée. Et cet exemple était cité par le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et de même, toute chose est pure, jusqu'à la preuve du contraire. Toute chose est pure, jusqu'à la preuve du contraire. D'accord? Donc, personne n'a le droit de dire que telle ou telle chose est impure, sans en avoir la preuve. D'accord? Autrement dit, si l'un d'entre nous a un doute sur une chose, il n'a jamais entendu, une chose par exemple qui est tombée sur ses vêtements, il ne sait pas si cette chose est autorisée, est pure ou impure. La base, c'est la pureté. Tant que tu n'as pas la preuve que cette chose est impure, tu considères qu'elle est pure. Tu restes dans la base qui est que toute chose est pure. Donc c'est ce que le Cheikh a dit, et celui qui considère une chose comme sale doit ramener la preuve. S'il la ramène, alhamdulillah, tant mieux.
Et s'il ne peut pas, ou s'il ramène une preuve qui est confuse et qui n'est pas claire, nous devons retourner à la base qui est la pureté. Car de rendre une chose impure, c'est un jugement que tu imposes et que tout le monde doit subir. Quand tu considères une chose impure, c'est comme si tu obligeais tout le monde de s'en abstenir. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. On n'interdit pas une chose à l'ensemble de la communauté comme ça, par coup de tête, non. Il faut une preuve claire et surtout une preuve authentique. Donc là, le shir a instauré la règle et ensuite, il va citer les choses qui sont impures. Les choses, bien sûr, dont le Coran et la Sunna du prophète alayhi nous attestent qu'elles sont impures. La première chose, la première impureté, est l'urine de l'être humain, de même que ses excréments. ومما قام الدليل على نجاسته بول الآدمي وغائطه أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور الحديث في صحيح أبي داود. La preuve que l'excrément est une impureté et le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous marche avec ses sandales sur de l'excrément, la poussière ou le sable qu'il touchera après sera sa purification. فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ. La terre et sa purification. Lorsque l'un d'entre vous piétine ou marche sur un excrément, la terre est sa purification. C'est-à-dire qu'il suffit d'essuyer cette chose à même le sol. At-turab, à même le sol. At-turab, c'est-à-dire là où il y a du sable ou de la poussière. وَالْأَذَى كُلُّ مَا تَأَذَّيْتَ بِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْقَذِرِ وَالْحَجَرِ وَالشَّوْكِ وَغَيْرِ ذَلِكِ. الْأَذَى en arabe, en général, ça signifie tout ce qui fait mal, tout ce qui offense, comme saleté, comme pierre ou comme épine ou autre chose. Mais le terme ava qui a été cité dans ce hadith, il veut dire l'impureté, il veut dire les excréments. Comme ceci est clair. فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدول من ماء فصبه عليه الحديث متفق عليه. Et la preuve que l'urine de l'être humain est une impureté est le hadith de Anas radiyallahu anhu qui rapporte qu'un bédouin avait uriné au temps du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait uriné dans la mosquée. Des compagnons se sont levés vers sa direction et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: laissez-le, ne lui coupez pas son urine. Qala, Anas dit, et lorsqu'il a fini d'uriner, lorsque le bédouin a fini d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on apporte un seau d'eau ou un récipient d'eau et qu'on le verse sur son urine. Hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, le bédouin était étonné de la réaction du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de sa gentillesse et de sa douceur, et il a dit sa parole qui est connue et qui est réputée. Il a dit: Allahumma irhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Il a dit, après que le prophète a réagi de cette sorte, il a dit, le bédouin: oh Allah, rentre moi dans ta miséricorde, moi et Muhammad, et ne rentre personne d'autre avec nous.
وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. Et le prophète a.s. lui a répondu, لَقَدْ ضَيَّقْتَ وَاسِعًا. Le prophète a.s. lui a dit, tu as rétréci une chose immense, qui est la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est immense. Allah dit dans le Coran, وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Et ma miséricorde est plus vaste que toute chose. Et lorsque ce bédouin a dit cette parole, oh Allah, rentre-moi dans ta miséricorde, moi et Muhammad et ne rentre personne à part nous, le prophète a dit, tu as rétréci une chose qui est immense. Et ce hadith est clair dans la preuve que l'urine de l'être humain est une impureté. Pourquoi? Car le prophète a ordonné qu'on apporte un seau d'eau et qu'on asperge l'urine de cette eau pour purifier cet endroit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ومما قام الدليل على نجاسته أيضا المذي والودي. أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا دفق ولا يعقبه فطور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة. Donc parmi les choses impures également, il y a ce qui est appelé al-madhi et al-wadi. Quant à al-madhi, c'est une eau blanche, légère, gluante, qui sort durant la sensation de plaisir. Elle ne sort, cette eau ne sort pas avec force et ne sort pas avec une sensation de plaisir. Et une personne, cette eau peut sortir de la personne sans qu'il ne se rende compte. Et ceci est valable pour l'homme comme pour la femme. Donc ceci est appelé al-madhi. Et c'est une impureté. وَهُوَ نَجِسٌ ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. Et c'est ainsi, c'est pour cela que le prophète عليه الصلاه والسلام a ordonné qu'on lave le sexe de ce mavi, de cette eau. عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا متفق عليه. Et la preuve que al-madhi est une impureté est le hadith de Ali radiallahu anh qui dit, j'étais un homme, كنت رجل مذاء, j'étais un homme qui sécrétait beaucoup de madhi, j'étais un homme dont le madhi sortait beaucoup, et j'avais honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa place vis-à-vis de moi. Ali radiallahu anhu était marié avec qui? Avec Fatima radiallahu anhu, la fille du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali radiallahu anhu, étant donné que cette eau elle sort lorsque la personne éprouve du plaisir, il avait honte de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une telle question. Pas parce que c'est interdit dans la religion, non. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de la vérité. On verra, inshallah, plus tard des hadiths qui prouvent que en religion, il ne faut pas avoir honte de la vérité. Il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils disent il n'y a pas de honte en religion. Ça, c'est faux de dire ça. Beaucoup de gens disent la haya fi din. Wa hada khata. Bal al haya, comme on a vu dans les cours sur Sharh Hadith Jibril, al haya ou min al iman. On avait vu que la pudeur fait partie de la foi. Donc de dire la haya fi din, c'est une erreur, une grave erreur. Au contraire, la pudeur et la honte, c'est une qualité, ça fait partie de la foi. Et beaucoup de hadiths stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont pudiques. Donc Ali radiallahu anhu
Il avait honte de demander au prophète alayhi sallam cette question, non pas parce que c'est une honte dans la religion ou que la honte dans la religion est répugnante, non, mais car le prophète alayhi sallam était le père de sa fille. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ. Et il a alors demandé à un autre compagnon, Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a posé la question sur un homme qui a sécrété du mali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui a répondu, qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. Qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il lave son sexe et ses testicules, et ses deux testicules. Dans un hadith authentique également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de laver le sexe et les testicules. Et beaucoup de savants sont de cet avis que la personne qui a sécrété du mali doit laver son sexe et ses testicules. Wa amma al-wadi فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. Et quant au wadi, c'est une eau blanche épaisse qui sort après l'urine. Ça c'est concernant l'homme et non la femme. Donc certains hommes, ça arrive souvent, cette eau blanche épaisse sort après l'urine. Cette eau est impure. وهو نجس. عن ابن عباس قال المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. Et quant au wadi, ابن عباس رضي الله عنه a dit المني qui est le sperme, Al-Wadi et Al-Madi. Quant à Al-Mani, qui est le sperme, c'est cette substance qui oblige de faire le grand lavage, qui oblige de faire Al-Rusl. Et les savants, la plupart des savants, et c'est Inch'Allah Ta'ala l'avis le plus probable et le plus sûr, c'est que Al-Mani n'est pas une impureté. Et on verra ça, Inch'Allah, dans la suite. Al-Mani, le sperme, les savants, la plupart des savants disent que le sperme n'est pas impur, il est pur. Lorsqu'il sort avec éjaculation et avec sensation de plaisir, il oblige la personne à faire un grand lavage. Et lorsqu'il sort sans sensation de plaisir, il n'oblige pas le grand lavage. Donc, Ibn Abbas a dit, Al-Mani, c'est cette substance qui oblige le grand lavage. Quant à Al-Wadi et Al-Madi, il a dit lave ton sexe et tes testicules et fais tes ablutions comme les ablutions de la prière. C'est bon, vous avez saisi? Retenez bien tout ça parce qu'il y en a plein, je vois, ils n'écrivent pas. Et dans le fiqh, vous savez très bien que les cours en français déjà sont rares, et les cours de fiqh encore moins. Donc c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et une chose que vous apprenez aujourd'hui, vous allez la retenir, mais dans une semaine ou deux, dans un mois ou deux, qui vous dit que ces choses ne vont pas sortir de votre esprit et les oublier. C'est pour cela que le savant conseillait d'enregistrer la science par l'écriture. D'enregistrer la science par l'écriture. Donc c'est un conseil que je vous donne, parce que les cours d'une, ils sont rares, et de deux, les cours de jurisprudence, les cours en français, je veux dire, ils sont rares, de jurisprudence encore moins. Et donc le mieux pour vous, c'est d'avoir une feuille, un stylo, d'avoir un cahier, plus qu'une feuille, elle est amenée à la perdition, un cahier que vous utilisez où vous écrivez vos notes. Ou bien ceux qui enregistrent peuvent écouter le cours, l'enregistrer et ensuite chez eux réécrire tranquillement. C'est une solution aussi. ومما قام الدليل على نجاستيه أيضا روث ما لا يؤكل لحمه
Et parmi les impuretés également, les excréments des animaux dont la consommation est interdite. Les excréments des animaux dont la consommation nous est interdite. عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز أي أن يقضي حاجته فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس الحديث في صحيح ابن ماجه وهو صحيح. Donc la preuve que l'excrément des animaux qui nous sont interdits à la consommation est le hadith d'Abdullah qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ses besoins et il m'a dit apporte-moi trois pierres pour faire al-istijmar, c'est le fait de se nettoyer avec des pierres. Et à notre époque, le papier entre aussi dans le cadre de l'istijmar. Il est autorisé de se nettoyer avec du papier uniquement. Fawajadtu lahu, et Abdullah radiallahu anhu a dit, et j'ai trouvé deux pierres et un crottin d'âne qui était dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les deux pierres et a jeté ce crottin. Et il a dit, c'est une impureté. Et vous savez que les ânes domestiques sont interdits à la consommation. Il nous est interdit de consommer la viande d'ânes domestiques. Et on verra ça, inshallah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les compagnons consommaient la viande d'âne domestique, et lorsque l'interdiction est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah et son envoyé vous interdisent de consommer la viande des ânes domestiques. Et les compagnons vidaient leur gamelle qui était pleine de viande. Et on comprend de la parole du shir que l'excrément des animaux qui nous sont autorisés à la consommation sont purs. L'excrément du mouton, par exemple, est pur. L'excrément de la vache est pur. Le chameau également. Les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, lorsqu'il y avait un groupe qui était venu à Médine, et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Un groupe de voyageurs était venu à Médine et sont tombés malades. Car Médine, c'est une ville qui est connue pour sa grande ses températures négatives. À Médine, c'est une ville froide. En hiver, il neige à Médine. Ceux qui sont déjà allés en dehors des périodes du Hajj, même pendant le Hajj cette année, il a fait très froid à Médine. Ils sont tombés malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis et leur a donné un remède de boire de l'urine de chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à un compagnon de prendre en charge ces personnes. Et le rapporteur du hadith dit, et lorsque ces personnes, leur état de santé s'est amélioré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué cet homme. Ils ont tué ce sahabi qui les a accueillis chez eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a ordonné à ses compagnons d'aller à la poursuite de ces hommes. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on leur coupe les mains, qu'on leur coupe les pieds, qu'on leur crève les yeux et qu'on les laisse dans le désert. Et ces personnes demandaient à ce qu'on les abreuve et l'eau ne leur parvenait pas. Et ils sont morts ainsi. Et les savants ont utilisé ce hadith
notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé de consommer ou de mélanger l'urine avec de l'eau ou du lait, je ne me rappelle plus exactement dans le hadith qui était stipulé si c'était de l'eau ou du lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait conseillé de mélanger l'urine de chameau. Donc l'urine de chameau est pure, car une chose impure, on n'a pas le droit de la consommer. D'accord. Et ceci est connu en Arabie, lorsqu'on était parti à Médine, entre autres, on avait fait une jalsa avec le Cheikh Mohamed ibn Had al-Madkhali, qui est un des mashayikhs de Médine, et on lui avait posé la question sur l'urine de chameau, et il avait cité qu'il connaissait une personne qui était diabétique et qui mélangeait de l'urine de chameau. Bah, d'après ce que Cheikh nous avait cité, c'est que l'urine de chameau a une odeur très forte. Il est difficile de la boire comme ça à sec. On est obligé de la mélanger avec quelque chose, de la casser avec une autre boisson. Et que cet homme consommait le matin, le midi, le soir, mélangé avec du thé. Et alhamdoulilah, Allah lui a accordé la guérison. Et il y avait dans l'assise des frères des États-Unis, et un des frères avait dit que maintenant dans certains médicaments, lorsqu'on regardait la contenance, on voyait qu'il y a de l'urine de chameau dans la substance de certains médicaments. Donc c'était une parenthèse. قام الدليل على نجاسته أيضا دم الحيض عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحداهن يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه الحديث متفق عليه. Donc parmi les impuretés également, il y a le sang des menstrues. La preuve est le hadith de Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr radiallahu anhu, qui a dit, une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, si l'une d'entre nous a un vêtement qui est taché du sang de menstrues, que doit-elle faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, elle doit le frotter, puis elle doit le nettoyer avec de l'eau en le frottant avec le bout de ses doigts. Elle doit le nettoyer avec le bout de ses doigts, en frottant avec le bout de ses doigts. Puis elle doit l'arroser, l'asperger d'eau plutôt, et ensuite elle peut prier avec ce vêtement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne a ordonné à cette femme de nettoyer, autrement dit, de nettoyer une chose impure. Donc on en déduit de ce hadith que le sang des menstrues est impur. ومما قام الدليل على نجاسته أيضا لعاب الكلاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا وقع فيه الكلب إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. الحديث أخرجه ابن ماجه وهو صحيح كما في صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله. La septième chose qui est impure est la salive ou la bave du chien, la bave de chien. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Ibn Majah et hadith authentifié par le Cheikh d'Albani rahimahullah. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la purification de la vaisselle de l'un d'entre vous lorsqu'elle a été léchée par un chien et de la laver sept fois, la première avec du sable. La première fois avec du sable. Hadith, comme j'ai dit, authentifié.
Et les savants ont cité les impuretés et l'ont divisé en trois. Ils ont dit, il y a une grande impureté, al-najasa al-mughallada, les grosses impuretés. Il y a l'impureté normale, il y a l'impureté légère. Parmi les impuretés, les grosses impuretés, il y a la salive ou la bave de chien. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, lorsqu'un chien lèche la vaisselle, de la vaisselle, de laver cette vaisselle 7 fois. Et la première, de l'essuyer avec du sable. Les savants disent pourquoi ? Car c'est une grosse impureté. Il y a l'impureté normale, comme par exemple Damul Hayd, le sang des menstrues. Le hadith, on l'a cité, c'est de le laver avec de l'eau et de frotter. Et il y a l'impureté légère qui est par exemple Al-Madhi. On verra dans la suite du livre que Al-Madhi est une impureté légère. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour purifier un vêtement du Madhi ou du Wadi, il suffit uniquement d'asperger le vêtement d'eau et de voir que Al-Madhi a bien été atteint par l'eau sans frotter. Asperger suffit uniquement. Donc parmi les savants qui ont séparé ou qui ont fait cette division, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit An-Najasa est de 3 sortes, la grosse, la normale, la grosse impureté, l'impureté normale et l'impureté légère. ومما قام الدليل على نجاسته أيضا الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. La huitième chose, donc pour récapituler, donc là on en est à la huitième chose impure, qui est la bête morte. Donc on a vu la première chose impure est l'urine, la deuxième l'excrément, la troisième al-madhi, la quatrième al-wadi, la cinquième l'excrément des animaux qui nous sont interdits à la consommation, la sixième le sang des menstrues, la septième, la bave de chien, et la huitième, que l'on va expliquer maintenant, est la bête morte. Et une bête morte, c'est toute bête qui est morte de mort naturelle sans qu'elle ne soit tuée d'une façon juridique. C'est-à-dire sans qu'elle n'ait été chassée ou sans qu'elle n'ait été égorgée. D'accord ? Donc une bête qui meurt de mort naturelle sans être chassée, sans qu'elle n'ait été tuée par la chasse ou qu'elle n'ait été égorgée, c'est une bête morte. Et la bête morte est impure. La preuve, والدليل على نجاستها على نجاسة الميتة قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر والإهاب جلد الميتة. La preuve est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wasallam dit, lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle devient pure. Lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle devient pure. Autrement dit, lorsqu'elle n'est pas tannée, elle est impure. La condition pour que la peau d'une bête morte soit pure, c'est qu'elle soit tannée. Tannée, le tannage c'est un processus. En fait, c'est connu, c'est un métier en lui-même, le tannage, mais c'est beaucoup utilisé dans les pays du Maghreb et autres. Tanner une peau, c'est tout d'abord la laver. Déjà, le tannage, en général, le tannage d'une peau, ça dure à peu près un mois et demi. Donc la peau, il faut déjà la laver. Il faut la tremper dans l'eau. En général, le Maghrebat, il la met dans de l'eau et du sel.
il trempe la peau de mouton dans de l'eau et du sel pour la nettoyer. Il la laisse en général à peu près une semaine à deux. Ensuite, lorsque la peau est lavée, elle est séchée. Elle est séchée. Et lorsqu'elle est séchée, elle est râpée. À l'intérieur de la peau, lorsqu'il est sec, le tanné, parmi le tannage, parmi les processus du tannage, c'est aussi de râper cette peau, de la frotter, de la nettoyer, de la râper. Et c'est râpé par des feuilles, en général des feuilles qui sont contenues dans le gland, des pierres aussi, ça peut être tanné par une pierre. Le principal, c'est que cette peau soit frottée et nettoyée. Donc ça, c'est le tannage. Ada ou le débar. Il est pur. Et la peau, lorsqu'elle est restée deux semaines dans l'eau, lorsqu'elle a été séchée, lorsqu'elle a été frottée, elle peut être que pure. Et à débar, c'est ça. Et donc après, à notre époque, maintenant, il y a plusieurs processus de tannage, il y a le tannage industriel, etc. Mais je sais que les gens du Maghreb, les Marocains, etc., ils font beaucoup ça, le tannage au Maroc. Vous voyez les peaux de mouton que vous trouvez des fois dans les mosquées ou chez les gens. Ce sont des peaux tannées. Quand vous voyez l'intérieur, c'est propre. C'est propre, c'est pur. D'accord. Donc c'est ça le tannage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit la peau, lorsque la peau de la bête morte est tannée, elle est pure. Donc cela prouve l'impureté de la bête morte. Non. Sauf pour les animaux de la mer, en fait. Cheikh, il vient. Ou yustathna min dalik. Ce que tu dis là, le cheikh, il est juste après. Et il est excepté de cela. Ou yustathna min dalik maytatu samak wal jarad. Li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhillat lana maytatan wa daman amma al maytatan fal hut wal jarad wa amma al daman فالكبد والطحال الحديث في صحيح ابن ماجه وهو حديث صحيح. Et il est excepté de cela, donc toute bête morte de mort naturelle sans être sans avoir été tuée par chasse, sans avoir été chassée ou sans avoir été égorgée. Donc même la chasse, il faut connaître les conditions de la chasse, etc. C'est pas on ne tue pas une bête comme ça dans la chasse. Il y a des conditions, Inch'Allah, on verra ça plus tard. Donc, il y a une exception, il y a des exceptions plutôt. Parmi ces exceptions, les bêtes mortes de la mer et les criquets. Donc, les bêtes mortes de la mer, les poissons morts que l'on retrouve, qui sont morts de mort naturelle, et les criquets. Ils nous sont autorisés. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous est rendu licite deux bêtes mortes et deux sortes de sang. Quant aux deux bêtes mortes, ce sont les poissons et les criquets, et quant aux deux sangs, c'est le foie et la rate. Donc dans ce hadith-là, on voit bien que le prophète a.s.w. a fait une exception concernant les bêtes mortes et que les poissons et les criquets morts, de mort naturelle, nous sont autorisés à la consommation. De même que deux sortes de sang. Parce qu'en fait, le foie et la rate c'est un organe qui est situé à côté de l'estomac. Il est situé en dessous de la côte gauche. Et c'est un organe, c'est du sang coagulé qui produit des globules rouges et des globules blancs pour le corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de consommer le sang, plutôt ces deux sangs coagulés qui sont le foie et la rate. Pourquoi pas? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a interdit de consommer le sang qui est coulé lorsqu'on égorge une bête. Et savants l'appellent Ad-Dam al-Masfouh. Pourquoi? Car c'est un sang impur. Et
c'est notamment, les savants ont dit que c'est ce sang là qui rend la bête morte impure, parce que ce sang n'a pas été sorti de cette bête. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit à son prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, le sens du verset, قل إنما أوحي إلي. J'ai oublié le verset, subhanallah. Le sens du verset est dit, il ne m'a été révélé de choses qui vous ont été interdites à la consommation, sauf que uniquement la bête morte et Adam al-Masfour, et le sang qui sort de la bête qu'on égorge. Et les savants ont dit que le sang qui reste à l'intérieur du corps, cela n'est pas impur. Le sang qui reste dans la bête, parce qu'une bête, elle ne peut pas être vidée de tout son sang. C'est impossible. Il reste obligatoirement du sang dans les organes, etc. à l'intérieur. Et le sang qui est interdit est le sang qui sort de la bête lorsqu'on l'égorge. Et c'est pour cela que le prophète a.s.w. a dit, et il nous est autorisé deux sortes de sang, le foie et la rate. Le foie et la rate. ويستثنى من ذلك أيضا ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك. Parmi les bêtes mortes également, les bêtes qui n'ont pas de sang qui circule, qui n'ont pas de sang qui circule dans leur corps. Comme les mouches, comme les fourmis, les abeilles et autres. La preuve, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمصه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحين داء وفي الآخر دواء وفي الآخر شفاء. الحديث في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح. La preuve est le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه qui dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la plonge entièrement, puis qu'il la retire et qu'il la jette. Car il y a dans une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. Car il y a dans une de ses maladies, dans une de ses ailes, afwan, dans une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. Et le prophète, alayhi sallatou wassalam, lorsqu'il nous dit une chose, nous devons de y croire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit une chose, elle ne peut être que vraie. Donc même si certains d'entre nous peuvent trouver ça bizarre ou étrange, un musulman, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi, comme on avait vu dans les cours précédents, de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire en tout ce qu'il nous a informé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'une mouche, dans une de ses ailes, il y a la maladie et dans l'autre, il y a le remède. C'est que c'est vrai. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, sa parole est révélation. ويستثنى من ذلك عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل ذلك طاهر وقوفا على الأصل وهو الطهارة. De même que les os des bêtes mortes, leurs cornes, leurs griffes, leurs poils, leurs plumes, tout ceci est pur. Et c'est pur pourquoi? En restant, on avait dit quoi, la règle? En retournant à la règle qui est que toute chose est pure jusqu'à la preuve du contraire. Et également, le cheikh a cité une preuve apportée par Al-Bukhari qui dit: ولما رواه البخاري تعليقا قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره
أدركت ناسا من سلف العلماء يتمشطون بها ويدهنون فيها أي كانوا يجعلون عظم الفيل إناء لا يرون به بأسا وقال حماد لا بأس بريش الميتة. Parmi les preuves également de la pureté des os, des cornes, des griffes, des poils et des plumes des bêtes mortes, et ce qui a été rapporté dans Bukhari Ta'liqan, Az-Zuhri a dit concernant les os des bêtes mortes, comme l'éléphant par exemple, et autres, j'ai rencontré des gens parmi les salafs, parmi les savants des salafs, qui se peignaient avec, qui utilisaient les os d'éléphants comme des peignes. Et également, ils utilisaient ces os comme des récipients où ils mettaient de l'huile. De l'huile qu'ils mettaient sur leur corps, de l'huile parfumée ou sur leur chevelure. Là, ils ne voyaient en cela aucun mal. Il a aussi cité la parole de Hammad, il n'y a aucun mal dans les plumes des bêtes mortes. Il n'y a aucun mal d'utiliser les plumes des bêtes mortes pour décoration ou autre chose. C'est bon, vous avez saisi des choses impures. قال المؤلف كيفية تطهير النجاسة. اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرفنا أيضا كيفية تطهيرها. Donc ici le cheikh va expliquer les différentes façons de nettoyer l'impureté. Donc on a vu ce que sont les impuretés, on a cité les preuves, et maintenant on va voir comment nettoyer ces impuretés. Sache que le législateur, qui est le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a montré et qui nous a expliqué que telle ou telle chose est impur, il nous a également expliqué et montré comment les purifier. والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره. Et les choses par exemple qui nous ont été ordonnées de purifier et de nettoyer de telle sorte qu'il ne reste plus de traces, plus de couleurs de cette impureté, plus d'odeur et plus de goût, cela devient alors sa façon de la purifier. Donc si le professeur Salam nous ordonne de laver une impureté à tel point, il nous dit que vous devez la laver, il ne doit rester aucune trace, que ce soit une odeur, une couleur ou un goût, il nous devient obligatoire de nettoyer de la façon bien précise que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما ورد فيه الصب أو الرش أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. Et ce qui a été rapporté comme le fait d'asperger uniquement ou d'arroser ou de frotter ou d'essuyer par terre, ou le simple fait de marcher, ce qui a été rapporté dans ces choses bien précises, ces seules choses suffisent. D'accord ? Les impuretés dont le prophète Ali nous a montré, nous a expliqué que de la rendre pure, c'est uniquement, par exemple, de l'arroser. L'arroser suffit. D'accord ? Les impuretés dont le prophète Ali nous a informé que le fait de marcher uniquement, eh bien, efface cette impureté et l'enlève, le fait de marcher suffit. D'accord ? On n'est pas obligé de la laver. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَاءُ هُوَ الْأَصْلُ فِي تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ. Et sache que l'eau
est la base de la purification des impuretés. Donc, autrement dit, s'il y a une impureté dont aucun hadith du prophète nous montre comment la nettoyer, la base est de le nettoyer avec de l'eau. Pourquoi ? Car l'eau est pure. إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة. Et lorsque, après avoir appris ces choses, voici maintenant les différentes façons de nettoyer les choses impures. أولا تطهير جلد الميتة بالدبار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبر فقد طهر أيما إهاب دبر فقد طهر والإهاب كما قلنا هو جلد الميتة. Donc la première sorte de de nettoyage de l'impureté est le nettoyage de la peau de la bête morte par le tannage. Donc la peau d'une bête morte, comment est-ce qu'elle devient pure ? Par le tannage. Est-ce que laver suffit ? Non, il faut la tanner. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas qu'on a cité précédemment, qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute peau de bête morte qui a été tannée est pure. Toute peau de bête morte qui a été tannée est pure. Et ici, j'ai une petite remarque de passage. Une parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, mas'ala, قال الشيخ ابن باز رحمه الله واما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين اهل العلم والاحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Donc à titre d'information, Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit, et quant à la peau de porc ou de chien ou autres bêtes qui ne sont interdites à la consommation, le fait qu'elle soit rendue pure par le tannage, les savants se sont divergés sur ce point. Les savants se sont divergés sur le fait que le tannage rend pure la peau de porc ou de chien, ou en général la peau de bêtes qui nous sont interdites à la consommation. Donc il y a une divergence. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit, et le mieux, le plus prudent, est de délaisser son utilisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِطِهِ وَقَالْ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Laisse ce qui te laisse un doute à ce qui ne te laisse pas de doute. Laisse ce qui te laisse un doute à ce qui ne te laisse pas de doute. » Donc là, c'était une petite remarque. ثانياً تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. Donc le nettoyage de la vaisselle ou d'un récipient qui a été léché par un chien. Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, la purification d'un récipient ou d'une vaisselle qui a été léché par un chien est de la laver sept fois, la première avec du sable. Donc là, c'est une façon bien précise de nettoyer la bave de chien. On nettoie pas la bave de chien comme ça. On nettoie comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحداهن يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
Donc la purification d'un vêtement qui a été atteint ou qui a été taché par du sang de monstru. La preuve est le hadith de Asma bint Abi Bakr radiallahu anhuma qui dit: une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: l'une d'entre nous, lorsque son vêtement est taché du sang de monstru, que doit-elle faire? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: elle doit le frotter, puis le nettoyer en frottant avec le bout de ses doigts, puis l'arroser et enfin prier avec. ثم قال الشيخ وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس. Et si après ce nettoyage il reste la trace encore du sang, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a aucun mal à cela. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Et la preuve que le sang des menstrues, lorsqu'il a été lavé, nettoyé, frotté, mais que la couleur reste encore ou est encore imprégnée dans le vêtement, la preuve qu'il n'y a aucun mal dans cela est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, que Khalwa bint Yassar a dit: ô envoyé d'Allah, je n'ai qu'un vêtement et il a été taché par le sang des menstrues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lorsque tu seras pur, lave l'endroit du vêtement qui a été taché par le sang, puis fais ta prière avec ce vêtement. Elle a dit: ô envoyé d'Allah, et si il y a encore des traces de sang? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: l'eau te suffit et les traces qu'il reste ne sont pas un mal. Et l'eau, les traces qu'il reste du sang ne sont pas un mal. Donc hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. On aktafi bihad al-qadr. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui inshallah ta'ala et on continuera la semaine prochaine toujours à 20h30. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.